Alors, salut. Salut toi, salut moi. Plus tard, donc cher futur moi. Déjà, tu as 27 ans. Parce que j'en ai 17, donc si c'est dans 10 ans, tu as 27 ans. Tu as fini tes études en école de kiné. Donc j'espère que tu es devenu un kiné, ce qu'on a eu comme ambition depuis un petit moment, hein. J'espère que t'as pas encore d'enfant, parce que je pense pas qu'on soit encore assez mûr pour en avoir à 27 ans. J'espère que si t'as des enfants, que quand tu les prives de sortie, tu leur lâches, que toi t'as vécu le confinement, que toi t'es resté dans ta chambre pendant on sait pas combien de temps, à attendre qu'on dise la guerre est finie. Ah, j'espère que t'as arrêté de faire des conneries de gamin, hein. Genre, traverser les rues comme ça alors qu'il y a une voiture qui te charge. C'est ces trucs cons là, tu vois. J'espère que t'es pas devenu un... Comment on dit? Ouais, un connard en fait. J'ai cherché un mot plus sympathique, mais j'espère que t'es vraiment pas devenu un connard. Genre un mec à meuf ou quelqu'un de prétentieux qui se pète plus haut que les autres. J'espère que t'as gardé nos valeurs. Genre, de toujours rester positif, peu importe ce qui arrive. J'espère que tu vis plus chez maman. Non, parce que tu es grand maintenant, hein. T'as une maison, ta voiture, tu payes ton essence, tu payes ton loyer, tu payes tes impôts. J'espère que t'as une belle maison quand même, avec une petite piscine. Mais j'espère que tu travailles parce que tu sais que ça vient pas comme ça, les belles choses. Tu sais qu'il faut travailler pour. J'espère que tu es toujours bien entouré. Quand je dis bien entouré, c'est pas avoir beaucoup de personnes, tu le sais. C'est vraiment avoir des amis sur qui tu es sûr que tu peux compter. Parce que t'en avais une belle de bande quand t'avais 17 ans. Et ça, je sais que tu t'en rappelles. Et tu t'en rappelleras toujours. Enfin, qu'on se rappellera toujours. Parce que ce n'est pas toi ou moi, c'est nous. J'espère que t'es toujours aussi serviable avec tes potes. Que t'es toujours là pour eux. Quand ils sont mal ou autre. Et que t'essayes d'aller faire retrouver le sourire, parce que on est des petits gars positifs, nous. Crazy positivity! Yeah! Ce que je dis, c'est ridicule, mais on se comprend, on sait pourquoi on dit ça. J'espère qu'on est un homme, un jeune homme, bien. Genre que t'as gardé une certaine maturité. Parce que déjà, là, j'ai 17 ans, je suis assez mature, je crois. Hein. Franchement, je crois que je suis assez mature. Donc j'espère que tu es encore plus mature maintenant. Mais que tu as toujours une âme d'enfant. Tu sais, comme Peter Pan. Du coup, j'espère que nos années d'études, là, elles se sont bien passées et tout. Que tu as réussi à être kiné. Peut-être modèle photo, notre deuxième ambition, tu sais. Modèle photo, mannequin. Je te fais confiance. J'espère que tu t'en es trouvé d'autres, hein. Non, parce que la vie, elle est courte pour faire peu de choses dedans. J'espère que tu te morfonds pas sur ton passé en mode, ah ouais, c'était mieux là-bas. Si seulement je pouvais retourner. Non, 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 non. On veut évoluer, on veut pas régresser. Donc pense pas à ton passé. Dis-toi que tu veux être ça, pas que c'était mieux quand tu étais ça. À plus tard. Futur moi, à bientôt. Oh cher futur moi, dis-moi comment tu vas. Rassure-moi, tu t'es pas mis dans de beaux draps. Il m'arrive de faire des faux pas, mais je ne baisse pas les bras. J'ai compris que la vie est devenue synonyme de combat. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la vibe. Je suis sous l'emprise de la mélodie. Depuis je ne m'en passe, je ne dors pas le soir. Je ne fais que du bruit dans les rues de ma ville. Des fois c'est compliqué, mais je me dis que ça va aller. Donc je reste positif et je vise la lune pour atteindre le sommet.